Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, on va démonter une gyroroue. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc il faut être un petit peu indulgent, j'ai jamais fait ça. On va la démonter, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut savoir qu'il n'y a aucune marque, qu'il n'y a pas de voltage, qu'il n'y a pas d'ampérage, qu'il n'y a rien d'écrit dessus. On voit juste un X-Wheel écrit dessus, donc c'est une marque assez bas de gamme qu'on trouve même pas sur Google en fait. Donc c'est vraiment du premier prix, c'est un truc à genre 200-300 €. Et ce qui explique que je vais galérer, c'est que vraiment il n'y a aucune caractéristique, il n'y a rien sur Google, il n'y a aucun démontage. Donc c'est très très compliqué pour moi de pouvoir m'y retrouver, surtout que j'ai jamais fait ça. Je vais la démonter, je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur et je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour tester et pour essayer de trouver la panne, puisque bah, en fait la gyroroue, elle n'a pas l'air de charger, elle n'a pas l'air de s'allumer, en fait il n'y a rien du tout qui se passe. Enfin tu regardes la vidéo, tu verras. Donc on se retrouve tout de suite dans mon garage. Tu vois ici, on est sur une gyroroue. Donc c'est un gros machin ici, de la marque X-Wheel. En gros, t'as un bouton ici, et tu vois ce qui se passe, il se passe rien d'autre. Donc il n'y a rien d'autre qui se passe, je sais pas trop ce que c'est, donc tu vois, on dirait qu'il n'y a plus de batterie. Là ici, c'est la prise de chargement. Donc première étape, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien déjà, je vais le charger ici, tu vois. Donc, on va déjà voir si j'ai une réaction au niveau des LED, et si vraiment ça ne va pas. Tu vois qu'ici, tu as tout un ensemble de vis, donc je vais m'amuser à dévisser tout ça et à voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, je branche la monoroue sur la prise que tu vois ici. Que ma batterie charge, en fait, j'ai deux barres. Et si j'enlève, je n'ai plus rien. Pour moi, ce serait la batterie qui serait foutue. Tu peux tester ici. Ici, tu vois, tu as trois pins. Tu peux tester si tu as une certaine tension qui arrive aux bornes de ton chargeur. Donc déjà, tu vois que le chargeur, il s'allume. Tu regardes ce qui est écrit sur le chargeur. Tu vois qu'il doit délivrer 67,2 volts. Donc on va tout de suite brancher le multimètre, tester ici si on a bien 67,2 volts. En étant branché, évidemment, et voir déjà si le chargeur charge bien. C'est une tension continue, tu le vois, c'est affiché sur le cadran. Donc tu prends ton multimètre ou ta pince ampérométrique, tu te mets sur volt continu. Tu vois la position ici, tu viens sélectionner les volts. Là tu n'as qu'une position, donc c'est très facile. Et tu viens tester aux bornes de ton chargeur. On a 67 volts, donc c'est que c'est bon. Mes pins sont dans le chargeur. Moi je peux déjà te dire que mon chargeur il fonctionne, donc le problème vient de la gyroroue. On va la démonter. Donc on va commencer par enlever toutes les vis que tu vois. La petite astuce du jour, comment aimanter son tournevis. Là tu vois que le tournevis il est aimanté. Et donc tu vois, si tu tires l'autre côté, en fait c'est une goupille et une vis qui vient serrer dans la glissière. Donc moi je prends toujours soin de tout visser, comme ça tu sais dire où c'était avant. Tu vois comment ça s'enlève, hein. C'est un petit peu mal foutu. Et la batterie, soit là, dans celle-ci, parce que celle-ci c'est léger, celle-ci c'est lourd. Voilà, tu vois la batterie elle se trouve ici en dessous, on va tout de suite débrancher, hop, voilà. Déjà tu vois elle est un peu gonflée, on n'a même pas la tension ni la puissance. On va quand même ausculter l'autre côté, on va dévisser toutes les petites vis Philips et on va voir ce qu'il y a derrière, mais je pense pas qu'il y ait de batterie. Pour moi ici c'est tout le système avec le capteur et puis un circuit imprimé à mon avis. On va voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc tu vois là, tu as tout le circuit avec le contrôleur, la nappe pour l'interrupteur, ainsi que la nappe de chargement. Ici tu as une LED, aussi une LED. Donc c'est pas ici que ça va se passer.
pour tester la batterie. Donc il n'y a qu'une batterie. On va donc se retrouver à l'atelier. Donc on se retrouve à l'atelier. Première des choses, la batterie. On en avait discuté un petit peu tout à l'heure. Alors tu vois que je n'ai rien trouvé quant au voltage. Il y a juste une année qui est 2017, donc c'est assez récent, hein, ça fait 4 ans. Et c'est tout. Alors tu as une écriture ici. Ralking Power LM210 PTD 18650. Alors ça, je sais que c'est la taille des batteries. Donc moi je soupçonne en fait qu'il y ait plusieurs piles qui soient mises en série. Et on va voir tout de suite sur internet. Tapant Ralking Power PTD LM210, voir ce qu'on trouve. Donc on ne trouve rien, par contre, tu vois, quand tapant 18650 16S1P, eh bien, on tombe sur ceci, sur Google, donc on tombe sur à peu près la même batterie qui indique une puissance, ou du moins une tension plutôt, de 60 volts. Donc, eh bien, on sait déjà qu'en mesurant les bornes de cette batterie-là, puisque notre chargeur fonctionne, on l'a testé tout à l'heure, hein, il donnait 67 volts, ce qui explique la batterie de 60 volts, on a toujours un chargeur légèrement supérieur à la batterie. On va tout de suite tester les bornes de la batterie. Précise aussi que la batterie a été chargée une nuit complète avec le chargeur et que je n'avais pas d'évolution. Je me suis permis de démonter complètement la gyroroue pour tester la batterie. Si tu as suivi la mesure de tout à l'heure, bon, je te réexplique vite fait. Tu prends le calibre, tu te mets sur volt continu, tu vois, avec la flèche droite et les petits pointillés. Tu sélectionnes volt, alors ici, il n'y a rien besoin de sélectionner. Et eh bien, tu te mets aux deux bornes. Donc ici, les câbles, tu ne sais pas les bouger, c'est une pince ampérométrique. Après, ben, noir sur noir, rouge sur rouge, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois déjà que ben, la batterie, elle est morte. La batterie fait 38 volts. Elle est morte, en fait, puisqu'elle doit faire minimum 60 volts. Généralement, elle fera même un petit peu au-dessus quand elle sera bien chargée. Donc ta batterie, elle est complètement foutue. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le moteur fonctionne avec une autre batterie. Donc, parce que je ne vais pas acheter une batterie sans savoir si, eh bien... le moteur est encore fonctionnel. Sinon, il y a aussi un autre test que tu peux faire. C'est un petit peu plus crapuleux, mais comme tu le sais, si tu touches les deux bornes de la batterie, normalement, il devrait se produire des étincelles. Et tu vois qu'ici, on n'a rien du tout. Et on n'a même pas un semblant d'étincelle. On n'a absolument rien. On peut également ausculter la batterie. Et qu'est-ce que tu vois? Surprise! Donc en fait, c'est un ensemble de piles. Si tu as reconnu, c'est les piles 18650. 18650, ce sont un ensemble de piles qui sont mises l'une en série et puis l'autre en parallèle. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 piles. Et pour faire 60 volts, tu as compris, tu as aux environs de 4 volts par pile. Alors là, tu as une plaquette électronique, je t'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert. Je t'avoue, là, je sais pas trop le mode de fonctionnement de ce truc-là. Tu vois dans quoi je me suis embarqué, oh là 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 là. J'y connais rien, j'ai jamais démonté de gyroroue, donc c'est très compliqué pour moi. C'est quand même pas évident à comprendre, surtout qu'il n'y a aucun schéma sur Internet. Et tu vois qu'une batterie, ça coûte 80€ sur AliExpress, sachant que la gyroroue neuve, elle coûte entre 2 et 300€. Donc je sais pas si je vais vraiment faire des frais. Dites-moi en description ce que vous pensez que je dois faire, si je dois la restaurer ou pas. Je vais quand même te montrer par la suite dans une deuxième vidéo. Je ne sais pas encore comment la partie 2 va s'articuler, mais je vais te faire une autre vidéo pour au moins pouvoir tester le moteur. C'est assez compliqué et peut-être qu'il n'y a pas que la batterie qui déconne, donc il faudrait tester sans batterie, mais c'est du 60 volts et je n'ai pas d'alimentation comme ça, donc on va voir. Reste avec moi et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Si t'as aimé ça, tu sais ce que t'as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, tu likes et moi je te dis à la prochaine.